Allez les gars, fais péter le karaoké, c'est parti. Bonjour les amis, bonjour les amis. Les végétariens du carnivore, les végétariens du carnivore. Nous voilà partis pour faire des lasagnes. Végétariens épinards et croûtons. Solo. Alors, après ce petit prélude musical, vous aurez tous compris que c'est l'heure de goûter et de faire les lasagnes végétariennes, qui sont hyper faciles à faire pour celles qui bossent et qui n'ont pas envie d'aller cueillir les épinards qu'elles ont plantés dans leur jardin. Moi, je vais faire ça avec des produits surgelés et des trucs hyper simples. Donc, voilà. Mais ça en reste tout aussi bon, je vous rassure, c'est une de mes recettes préférées. On y va pour la liste des ingrédients. Pour faire des lasagnes maison faciles sans se prendre la tête, il vous faudra un moule à cake. Oui, c'est plus facile pour démouler et pour découper, c'est plus joli. Des pâtes à lasagne, 250 g de ricotta, du parmigiano, du parmesan, de la crème fraîche. Donc alors là, j'ai mis une briquette et demie, mais alors après, ça c'est pareil, hein. Ça dépend de la taille de votre plat, ça dépend de vos goûts, ça dépend de plein de choses, quoi. Donc j'ai 450 g d'épinards hachés à la crème fraîche, une sauce tomate fraîche agrémentée de persillade. Et il vous faut un chien pour agrémenter la recette. Oui. Donc, first step, je vais prendre donc mes 450 g d'épinards hachés à la crème, qui ont décongelé, et je vais les mélanger à mes 250 g de ricotta. Ouverture. Voilà, la ricotta, ça donne ça. Je prends ma petite cuillère en bois qui m'a servi de flûte, vous avez vu? Ah ouais, le solo de flûte, c'est... Tu peux pas lutter contre un solo de flûte, en fait. Voilà. Je mixe. Voilà, et ça nous donne une jolie pâte vert clair. Et comme tout cuisinier, on goûte ce qu'on fait. Ah, c'est dégueulasse. Non, je déconne, c'est trop bon. Donc voilà, ça nous donne un petit, le premier appareil. Ma sauce, sauce tomate persillade en gros, qui est déjà prête. Ah, j'espère vraiment que je vais avoir un morceau d'épinard moelleux. Ça serait con pour l'esthétisme. Je prends une cuillère. Et puis là, bah, simplement, on va passer au montage. Donc, dans le fond, je mets ma sauce tomate, une petite couche. Je place mes pâtes, donc qui rentrent pile poil dans mon moule. Hein. Là, j'ai juste à couper un petit bout et à rajouter le manque. Ensuite, je mets épinards. Mais je vais me saouler tout le monde dans la recette. Des problèmes existentiels, je vous raconte même pas. Une couche d'épinards, une couche de crème fraîche, parce qu'il faut quand même bien imbiber la pasta. Voilà, crème, un petit peu de parmesan, et ça sent hyper bon froid. Alors chaud, je vous raconte même pas les gars. Là, une fois que j'ai fait ça, je remets une petite couche de tomato. Et je remets une petite couche de pâte. J'aime bien casser les pâtes, j'ai l'impression que je suis hyper puissante. Mais bien sûr, crème fraîche, parmesan, sauce tomate, pâte. Wow, une pâte vivante. Bien, crème, parmesan. Oh putain, m'a saoulée là. M'a saoulée. Et pour le coup, ça fait la couleur de l'Italie, les gars. Hé hey. Tiens, je viens de capter. Hein. Ça fait des années que je fais ces lasagnes. Et je viens de capter que c'était vert, blanc, rouge. Oui. Oui, oui, oui. Et là, blindade de parmesan. Molto buono. Je sais pas si on dit comme ça. Voilà.
mes lasagnes, épinards ricotta végétarienne qui tue sa mémé, la chèvre qui voudrait en manger. Mais non, tu manges que de l'herbe, la chèvre. Pas grave. Allez, j'ai fait préchauffer mon four à 210 degrés le temps de faire mes lasagnes. Et là, je vais les mettre 20 minutes à 210 degrés. On se retrouve après la cuisson. Quoi? Moi, je ressemble à Wesh Charlie. Je ne réponds pas à cette offense. Voilà, les lasagnes qui sortent du four. Donc là, elles sortent à l'instant. Donc je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Et puis, on va démouler tout ça. Je vous avoue qu'il est 1h-10. 1h-10, et là je pète la dalle. Donc il va falloir attendre que ça. Voilà ce que ça donne une fois dans l'assiette. Donc vous voyez, ça fume encore, c'est tout prêt, ça m'attend. Merci messieurs, merci mesdames. Je m'en vais manger. Ciao à tutti!